Te voilà. La vue te plaît ? Non, je surveille les environs. Feldcroft n'est plus que l'ombre de lui-même. Plus personne ne se sent en sécurité depuis que les fidèles de Ranrock s'intéressent à ce château là-bas. Le château de Rockwood. Mon oncle Solomon est un ancien Aurore. Mais il refuse d'enquêter. Le fait qu'Anne ait été maudite par l'un d'eux n'y a rien changé. Le coupable avait peut-être une baguette. J'ai entendu un gobelin appeler les sorciers des porteurs de baguettes. Les gobelins n'ont pas le droit de porter des baguettes ? Tout à fait. C'est pour ça que je cherche des réponses. Si je veux la soigner, je dois comprendre ce qui lui est arrivé. Anne a toujours été la plus espiègle de nous trois. Et ce n'est pas rien quand on nous connaît, Hominis et moi. Peut-être qu'une visite surprise de ma part avec un nouvel ami de Poudlard lui remontera le moral et fera revenir l'ancienne Anne. Allez, viens. Je t'emmène chez mon oncle. Par ici. Feldcroft était bien plus animé autrefois. Avec les sbires de Ranrock qui rôdent partout, tout le monde se cache. Nous y sommes. Ma sœur doit être à l'intérieur. Sébastien, où est-ce que tu... C'est bien ce que j'imagine. Il n'y a plus à discuter. Hey, ça ne brisera pas le mauvais sort. C'est impossible. Et plus vite tu l'admettras, mieux ce sera. Mais on n'a pas encore tout essayé. Il n'y a pas de remède. Quand pourras-tu l'accepter ? Jamais. Je ne l'accepterai jamais. Regarde ce que tu as fait. Anne, je suis désolé. Attends. Désolé que tu aies dû assister à ça. J'aimerais rester seul un moment, si ça ne t'ennuie pas. Pauvre Sébastien. Il ne s'attendait pas à un tel dénouement. Ce garçon va finir par me pousser à bout. Excusez-moi, Monsieur Palot. Oh oui, vous êtes avec Sébastien. Je vous prie d'excuser mon neveu. Il ne sait pas quand s'arrêter. Il pense pouvoir aider Anne, mais on ne peut plus rien faire pour elle. Vous n'avez peut-être pas encore trouvé le bon remède. Ah, on dirait Sébastien. Vous pensiez en savoir plus que les soigneurs de Sainte-Mangouste. Les soigneurs ne savent peut-être pas tout, monsieur. Sébastien se consacre entièrement à la recherche d'un remède pour sa sœur. S'il y en a un, il le trouvera. Votre confiance en Sébastien est mal placée. Anne a été maudite par un sortilège de magie noire. Et les gobelins ne risquent pas de s'expliquer. Il serait cruel de lui donner de l'espoir. La seule chose à faire, c'est veiller à son confort et rester à l'écart des fidèles. Je comprends ce que vous voulez dire, monsieur. Tant mieux. Je sais ce qui vaut mieux pour Anne et pour Sébastien. Ils sont aussi têtus que mon frère l'était. Surtout Sébastien. Si vous voulez vraiment l'aider, vous devez vous assurer que Sébastien fait ce qu'il doit faire, pas ce qu'il veut faire. Il n'a aucune idée du mal qu'il pourrait faire s'il n'arrête pas. J'espère que vous retiendrez ce que j'ai dit. Au revoir. Je te demande pardon pour tout à l'heure. Ces crises sont difficiles à supporter. Tout va bien, Anne ? Je ne voulais surtout pas t'importuner. Ce n'est pas le cas, vraiment. Et je vais bien. La douleur du mauvais sort va et vient, souvent sans prévenir. Ce n'est la faute de personne. Ravie de faire ta connaissance. Tu dois être l'élève de cinquième année dont m'a parlé Sébastien. C'est bien moi. Sébastien et moi nous sommes rencontrés lors d'un duel, en défense contre les forces du mal. Oh, cette chère professeure Ekat, c'est une sorcière très puissante. Et elle sait comment recadrer les élèves tels que mon frère, et moi. Poudlard me manque. Mais Feldcroft ne serait pas si terrible si l'ambiance n'y était pas si lugubre. Entre les gobelins qui occupent le château et les disputes qui éclatent entre mon oncle et Sébastien dès qu'il revient, ce n'est plus aussi tranquille qu'avant. Sébastien m'a dit que votre oncle était un ancien Aurore, mais qu'il refusait de s'attaquer aux fidèles de Ranrock. Pour être honnête, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fâché.
Mon oncle est contrarié, par ce qui m'est arrivé, et par Sébastien qui est certain de pouvoir conjurer le mauvais sort. Leurs intentions sont bonnes, je n'en doute pas. Mais mon oncle a raison. Ce mauvais sort ne peut pas être conjuré. Je le sens. Sébastien ne peut rien faire pour soulager ma douleur. Tu pourrais peut-être l'aider à se faire une raison. Oui, je ferai de mon mieux. Je te promets d'en parler avec lui. Merci. J'ai bien peur que ces recherches de remèdes ne soient futiles. Je suis fatiguée. Je devrais aller me reposer. Merci de m'avoir rendu visite. Je te souhaite bonne chance. Je dois aller voir comment s'en sort Sébastien. Revelio. Comment vas-tu, Sébastien ? Tu viens d'avoir un aperçu de ce que je subis. Je m'excuse pour mon oncle. Je dois avouer que je ne pensais pas qu'il serait aussi en colère. Il est toujours en colère. Il n'a pas cessé de l'être depuis la mort de mes parents. Suite à l'agression d'Anne, ça n'a fait qu'empirer. C'est comme s'il me considérait coupable. Il dit que je suis bien le fils de mon père, comme s'il s'agissait d'une insulte. Il n'y a que moi qui essaie de l'aider. Lui a simplement abandonné. Anne et ton oncle semblent sincèrement convaincus qu'il n'y a rien à faire pour améliorer son état. Je refuse de croire ça. La douleur d'Anne n'est pas seulement physique. Ça l'a complètement changé. Ma sœur me manque. Et je vais la faire revenir. Bien, je vais te montrer où ça s'est passé. Les gens ne se rendent pas compte de quoi sont capables les fidèles de Ranrok. On ne doit surtout pas les sous-estimer. Tous ces débris que tu vois sont là à cause de ce qui se passe au domaine abandonné. Ils cherchent quelque chose. C'est là-haut, sur ce plateau. Khan a été maudite. Par ici. On va devoir fouiller dans ces gravats encore longtemps. Ranrok, c'est ce qu'il fait. C'est un honneur de participer. Pour moi, un bon sorcier. Action. Je ne m'arrêterai pas avant de t'avoir tué. Action! Finissons-en. Je ne m'arrêterai pas avant. Tu viens de faire ta dernière erreur. Je crois qu'il ne réalise pas que tu es faible. Action. Je ne m'arrêterai pas avant. C'est mon fringo. Je ne m'arrêterai pas.
admettre qu'il y en avait un peu plus que prévu. Revelio, essayez de te prévenir. Ces fidèles ont eu ce qu'ils méritaient. Je suis tout à fait d'accord. C'est ici que ça s'est produit. En pleine nuit, on a senti de la fumée. Quand on a regardé dehors, ce domaine était en flammes. Avant que mon oncle et moi puissions l'arrêter, Anne s'est précipitée dehors. Elle craignait que quelqu'un soit blessé. Elle s'est retrouvée nez à nez avec une horde de gobelins qui essayaient désespérément d'éteindre les flammes. Soudain, une voix glaciale est sortie de nulle part dans la fumée. Les enfants doivent être vus et non entendus. Puis, un éclair aveuglant l'a frappée. Ils ne lui ont même pas laissé le temps de s'enfuir. Leur réaction face à une enfant en balade semble vraiment disproportionnée. Qu'essayait-il de cacher ? C'est ce que j'ai pensé. Je me trompe peut-être, mais je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a quelque chose ici qui pourrait m'aider à découvrir qui a maudit Anne. C'est peut-être le seul moyen de savoir quel type de magie l'a affectée. Cela pourrait m'aider à trouver un remède. Tu as peut-être raison. Les fidèles sont partout, mais ils semblent passer beaucoup de temps ici. Et ils cachent sûrement quelque chose. Et au château de Rockwood, on devrait peut-être aller jeter un œil. On dirait qu'ils ont installé leur camp ici pour une raison précise. Ils ont des tables... Revelio ! À qui appartenait cette maison ? Elle n'a jamais été habitée, à ma connaissance. On dit qu'un professeur de Poudlard a vécu ici, il y a des siècles de ça. J'ai appris que des sites de fouilles gobelins de ce genre apparaissaient un peu partout. Oh, c'est à se demander pourquoi le ministère n'agit pas. Ça me rappelle quelque chose. Sébastien, j'ai déjà vu tout ça. Cette maison, ce puits, cette vue. Comment ça ? Quand ? Laisse-moi une minute, je t'expliquerai ensuite. Revelio ! Sébastien, par ici. Tu penses qu'il a été abîmé par le feu la nuit où Anne a été maudite ? Possible. Mais ça n'a pas l'air d'être un accident. Sébastien, cette maison a vraiment appartenu à un professeur de Poudlard, il y a des centaines d'années. Qui ? Comment ça ? L'autre jour, j'ai trouvé une pancine dans la réserve de la bibliothèque, avec un souvenir qui montrait cette maison. Il y avait une petite fille, la sécheresse... Les gardiens m'ont aussi montré d'autres souvenirs. La petite fille est devenue professeure à Poudlard. Elle s'appelait Isidora Morganac. C'était l'un des gardiens. Les gardiens ? Comme au Quidditch ? Et tu as trouvé une pancine dans la bibliothèque ? Je suis perdu. Je réalise que ça fait beaucoup à digérer. Je ne comprends même pas vraiment ce que tout cela signifie. Et non, pas des gardiens de Quidditch. On les appelle des gardiens car ils protègent des connaissances, quelles qu'elles soient. Tout cela est lié au coffre de Gringotts. Laisse-moi récapituler. Ranrock et Rockwood en ont après toi parce que tu as trouvé quelque chose à Gringotts ou tu as atterri grâce à un port au loin. Tu vois des traces d'une magie ancienne que Ranrock essaierait de maîtriser et maintenant tu peux voir des souvenirs laissés par des gardiens ? Oh, et il y a des siècles, cette maison a appartenu à un professeur de Poudlard qui était un gardien, pas un gardien de Quidditch. Si je ne te connaissais pas, je serais persuadé que tu te moques de moi. Dit comme ça, ça fait beaucoup à digérer, je sais. Le fait est que nous avons tous les deux de bonnes raisons de fouiller cette maison. Toi, pour y trouver des réponses sur le sort d'Anne, et moi, des réponses sur les gardiens. Regarde ça. Quelqu'un a mis ça ici pour une raison. Est-ce que ça bloque quelque chose ? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Pourquoi se donner la peine de bloquer une cage d'escalier ? Il y a peut-être quelque chose qui vole des tours ici. Ils se sont contentés de tout éparpiller. Ils doivent chercher quelque chose de plus important. Revelio ! Je crois que ces extraits proviennent du carnet de voyage d'Isidora. Un extrait du journal d'Isidora. Je devrais le garder. Repulso ! Revelio !
Action! Expelliarmus! Incendio! Tu ne vas pas me croire. Je peux voir la crypte. Quoi? C'est une sorte de rêve éveillé? Parce que ça m'arrive à moi aussi. Incendio! Revelio! Je sais que ça peut paraître étrange, mais... En réalité, plus rien de ce que tu me dis ne me surprend. Cette bonne guerre. Je peux voir la crypte à travers ce mur de pierre, comme à travers une fenêtre. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive. Je t'écoute. Je crois que c'est lié à ma capacité à détecter les traces de magie ancienne. Mais tu as dit que tu ne la comprenais pas réellement, et que tu ne savais pas l'utiliser. C'est vrai, et je ne comprends toujours pas ce que tout cela signifie. Tout ce que je sais, c'est que mes capacités me permettent de voyager en passant par ces fenêtres. Attends, on peut se rendre directement dans la crypte à partir d'ici ? Hominis va être sidéré. Tout à fait. Mais il vaut peut-être mieux n'en parler à personne pour l'instant. Même pas à Hominis. Compris. Bien. Passage de magie ancienne secret et invisible, nous voilà. Ça me donne envie de retenir mon souffle. Revelio. Pourquoi cette porte nous mène-t-elle là ? Sébastien, regarde. Cacher un triptyque ici. Revelio. On dirait qu'il manque quelque chose. Un message. Regardons ça de plus près. Tu as trouvé quelque chose d'intéressant ? Un symbole runique. J'ai vu les gardiens utiliser des symboles de ce genre. J'ai réfléchi. Un gardien vivait dans cette maison il y a plusieurs siècles. Et Ranrok et ses fidèles y mènent des recherches. Tu as dit que les gobelins maniaient peut-être une sorte de magie ancienne. Tu penses que Anne a été maudite par cette magie ? Rien n'est certain, mais... je ne pense pas. Je n'ai pas vu de traces de magie ancienne autour de ta sœur. Très bien. Mais cela ne signifie pas pour autant que ce n'est pas de la magie ancienne. On ignore tant à ce sujet. C'est vrai. Le triptyque nous apportera peut-être des réponses. Nous devons découvrir ce que tout cela signifie. Mais pour l'instant, je dois aller voir Hominis. Ne t'en fais pas, je ne lui dirai rien. Est-ce que je t'ai dit qu'apparemment, Salazar Serpentard avait un scriptorium secret ici même, à Poudlard ? Non, tu ne m'as rien dit de la sorte. Ça vaut la peine de s'y intéresser. Tu sais où il se trouve ? Aucune idée. Hominis vient d'apprendre son existence. Je te dirai ce que je trouve. Je ne pensais pas que notre visite se déroulerait comme ça. Je suis complètement perdu. Mais je suis content que tu m'aies raconté tout ça. Nous nous reverrons. À plus tard.